Magazine, c'est de la Loot Crate Ghostbusters Limited Edition Crate, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'était une boîte qui m'intéressait. Je suis un grand fan de Ghostbusters. La preuve, j'ai tous les Funko Pop sortis au San Diego Comic Con avec ma règle de un pop par personnage, par série. Donc, du film Ghostbusters, j'ai pas les trois Slimer, j'en ai juste un, le Glow in the Dark, édition limitée du Comic Con. Je dis trois parce qu'il y en a un métallique dans un 2-pack avec Venkman, puis il y en a un autre normal, donc pour le 30e anniversaire. J'avais celui normal que j'ai troqué pour pouvoir trouver le Glow in the Dark, celui qui brille dans le noir. Donc oui, je suis un grand fan, j'ai les films, j'ai une tirelire de Slimer, j'ai un t-shirt, Glow in the Dark, Ghostbusters, c'est mon enfance en réalité, au même titre que les Tortues Ninja. Par contre là, je sais qu'ils les ont reboot all female et j'ai un peu peur que ce soit surtout des produits du nouveau film qui est dedans. Par contre, je peux pas laisser passer la chance que si c'était des produits des premiers films, de complètement manquer ça. Donc j'ai pris la boîte, oui, en espérant que les produits à l'intérieur me plaisent et qu'ils vous plaisent aussi. Donc ne tardons plus, on va faire l'unboxing. Déjà, c'est une boîte, une forme assez irrégulière, d'habitude sont rectangulaires. Là ici, on voit qu'il y a une certaine pente. All good. Oh, commence t-shirt. T-shirt en commençant. Loot Crate Explosive Ghostbusters. Ok. C'est peut-être pour rappeler l'uniforme des Ghostbusters, mais dans ce cas-là, c'est un peu... D'accord. Ouais, bon. J'aime bien celui que j'ai sur le dos. J'aurais préféré peut-être un fake uniforme avec... J'ai un t-shirt avec Venkman, puis les boutons, puis tout. Pas pire. Bon, j'aurais déjà vu pire, ça aurait pu être du nouveau film. Là, ça reste neutre, ça dit pas si c'est l'ancien, si c'est le nouveau. All good. Là, je sens comme d'autres tissus. Ça comme ça. C'est quoi ça? Doormat. Door mat, je sais pas c'est quoi, une couverture de porte. Local door mat. Oh, c'est comme un tapis. Un tapis, oui. Oui, c'est un tapis. Oh, ça c'est beau par contre. Oui. Oh oui. De toute beauté. Oui. Ça, oui. Ça. Oui. On en veut comme ça. Oui, ça, oui, voilà. Ça, pas t-shirt, oui. Ça, t-shirt, oui. Juste t-shirt, non. Donc, on continue. C'est un Proton Pack. Le Crate Exclusive. Oh, c'est mini, comme une mini figurine, mais c'est le pack à Proton. Des Ghostbusters, celui qu'ils utilisent pour pouvoir capturer ou affaiblir les fantômes. Oui, ça d'accord. Excellent. Loot Crate Exclusive, c'est excellent. Ça va dans la petite collection. C'est, oui, excellent. Très très beau. J'adore. Continuons. Pas de logo.
rien, il doit y avoir quelque chose d'autre qui va avec. Sûrement pas ça, je suis en train du papier. Ghostbusters Limited Edition. Ok, d'accord, c'est des photos. C'est sûrement des artwork, des fantômes, puis du gun. Gun. Ça doit être sûrement du nouveau film. Je ne me souviens pas de les avoir vus dans les premiers. D'accord. Je mettrai les images en grand ici pour que vous puissiez les voir. Et ça, c'est... Ok, ça c'est le spoiler. On va le laisser pour plus tard. Le récapitulatif, comme dirait Novastar. Et oh oui. Oui. On dirait qu'il... Oh, il brille dans le noir. Oui. J'avais déjà eu une Titans Vinyl Figures de Ghostbusters dans la première Vinyl Palooza de Nerdblock. J'avais eu Ecto One, la voiture des Ghostbusters. Maintenant, exclusif à Loot Crate, Slimer qui brille dans le noir. Wow! Oui, oh oui! Oh oui! Je suis content. Ça, mon Dieu, ça, oui, je suis content. Ici, c'est juste le pins qui est Ecto One, Ghostbusters, Loot Crate Exclusive. Et c'est tout. Donc le strap, je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. On va l'ouvrir. Deux straps. Ok, récapépète. Donc, on a Exclusive Proton Pack Replica Loot Crate Labs Chronicle Collectibles. Exclusive. Je suis très content de ça. Ensuite, Exclusive Uniform. Ouais. Ouais. Parfait. Ensuite, Exclusive Die-Cut Logo Rug. Oui. Très content. Ensuite, Loot Crate Exclusive Titan Merchandise Glow in the Dark Slimer Figure. Oui, oui. Set de deux art prints Sony Pictures. Ça, c'est pour le film 2016. Voilà. Et donc, tout était pratiquement exclusif. C'est excellent. Ok, le strap c'est vraiment pour la boîte, on peut la tourner de bord et en faire un Proton Pack. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je vois les trous où est-ce qu'on peut rentrer le strap. Parfait, pas de problème de ce côté-là, c'est excellent. En fait, j'avais peur d'être vraiment déçu. Je ne le suis pas. Par le t-shirt, tout est excellent. Les photos, bof, ça, on aurait pu s'en passer. Par contre, le tapis, la figurine, plus le Proton Pack, excellent. Moi, je suis aux anges. Je veux savoir, vous, quel est l'item qui vous a le plus plu? Et si vous aimez le t-shirt, je veux le savoir. Est-ce que vous aimez le t-shirt? C'est un petit logo sur le côté, simplement. Mais tout le reste, c'est un travailleur de la construction. Donc, dites-moi-le dans le commentaire, aimez-vous le t-shirt? Sinon, quel item, ou sinon, et quel item vous avez le plus préféré? Personnellement, c'est Slimer. Mais vous, je veux le savoir, dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme d'habitude, merci de regarder et à la prochaine. Ciao!